la famille, j'espère que vous allez pas bien. Non, je rigole, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui, c'est une dinguerie. J'ai la main cassée. Notre maman va contrôler la journée pendant 24 heures. En fait, je vous explique. À la maison, je pense que même vous, votre maman a fait des plats de fou. Tu peux confirmer ou pas? Ouais. Aujourd'hui, c'est elle qui va faire le matin, le midi et le soir. Elle va vous montrer ses meilleurs plats. Je pense qu'on va se régaler. Est-ce que t'as faim? J'ai trop faim. On va au petit déjeuner. Let's go! On commence avec le petit déjeuner. Donc, on a deux plats pour le petit déjeuner. On a le premier plat, c'est des brioches au chocolat. Regarde-moi ça. Oh là là, regardez-moi ça, regardez-moi ça. Fouah, ça a l'air trop trop bon. Et deuxième plat, on a un gâteau à la noix de coco et aux fruits qui a l'air incroyable aussi. Mais ça sort de la boulangerie, ça. Ça a l'air trop trop bon. Franchement, ils vont se régaler. Oh là là, comme on est gâté, le déjeuner de la Mama Familia. Moi, je me suis pris un petit chocolat chaud. Donc moi personnellement, ce qui me fait envie, bah, c'est le gâteau aux fruits, tu connais. J'ai une question à te poser, maman, en attendant qu'on va tester ton repas. Qu'est-ce que tu conseilles aux enfants qui s'entendent pas du tout avec leurs parents? Ils peuvent pas parler avec eux tout le temps, ils s'embrouillent. Je sais qu'il y en a qui regardent la vidéo et qui s'entendent pas du tout avec leurs parents. Qu'est-ce que tu peux leur conseiller? Bah, de dialoguer, de parler ensemble. Et il y a des enfants, ils en mode, ils arrivent pas à s'entendre avec leurs parents. Et de parler avec eux, de voir le problème et il est où. En gros, faut pas rester sans parler à ses parents. Voilà, non, non, non. Faut essayer de leur dire pardon et tout si vous êtes en tort aussi. Il reste quand même les parents. Ça reste les parents, ça reste les parents. On va commencer par les brioches. Yasmine, il a fait une. Ah, c'est laquelle que t'as ouvert? Je crois que c'est celle-là, mon gars. Moi, je préfère la mettre. Regardez bien du bon chocolat. Vas-y, bon, on va voir si elle est fourrée. Bismillah, le combo. 1, 2, 3, ça part de là, bismillah. 1, 2, 3, bismillah. C'est trop bon. Oh bon, c'est incroyable. Ce que j'aime bien, c'est que c'est comme un pain au chocolat. Ouais, t'as vu? Mais pour les gros comme moi, les pains au chocolat, je peux en manger 10, ça va pas me caler. Mais ça, j'en mange un ou deux, je suis bien. La prochaine fois, je vous ferai des croissants. Sérieux? Ouais. On va faire des vidéos avec ma mère tous les jours. On va goûter le gâteau aux fruits. Vas-y. Petit gâteau aux fruits, sachant que moi au petit déjeuner j'ai ultra faim mais elle mange jamais. Donc pour vous elle a fait l'effort vraiment. Alors on va prendre une petite part. La bonne noix de coco, des bons fruits. Oh, par contre moi je suis allergique au kiwi. Je savais qu'elle allait tu dire commences. Ça. Mais je te jure que le kiwi ça me donne des herbes, ça me fait vomir. Tu te souviens maman? Elle okay, dit qu'elle a des fruits, elle a des légumes. Ouais elle est allergique. Ouais, ça se fait. Regarde ce que je vais faire, je vais te prendre cette part. Et j'enlève le kiwi, c'est bon? Ouais. Ok. C'est pas que j'aime pas, hein, j'aime trop le kiwi. Ça doit être ça ouais. Merci. Okay. Et des cracras. Ah oui, excuse-moi. Désolé. On est pas dans la rue. On vit dans la rue et respecte ceux qui vivent dans la rue, ils sont propres, frère. Attends, mais je reviens tout le temps. Il y a multicouche, maman, il y a multicouche. Il y a des fruits dedans aussi. Il y a du kiwi? Non, il y a de la poire. Ah, je parle parce que. Bon, là, on dirait les gâteaux quand tu vas à la boulangerie et il y a plein de fruits dedans. Ah ouais! C'est vraiment trop trop bon. Je pense qu'aujourd'hui, les gars, on va se régaler. Le petit déjeuner de la maman, il est validé à 100% avec une petite couche à l'intérieur de crème. C'est masterclass. Le petit déjeuner de la barbe. A few moments later. Oh! Yacine, Yacine! Y'a quoi? Pourquoi tu cries? Elle les abonnés, ils ont dit Younes, il est plus fort que toi, il est plus technique que toi. Hazel, c'est le boss de la famille. Vous croyez vraiment que Younes, il est plus fort que moi au foot? Ok, il est plus fort que moi dans l'écro et dans la bouffe, mais dans le foot, c'est pas vrai. Il est pas plus fort que moi, je suis plus technique, plus rapide. Vas-y, attends, tu sais quoi, je vais l'appeler. Hey Younes! Y'a quoi? On va faire un VSA parce que les gens, ils disent que t'es plus fort que moi au foot. Logique, je suis plus fort que toi au foot. Vas-y, viens, frère, je crois que j'ai peur. On va enfin savoir. Moi, je veux pas rater ça. Je serai l'arbitre de ce duel, donc il y aura plusieurs épreuves. Et c'est moi qui va vous juger, vous deux. Donc on va commencer par faire des jongles avec une balle de plage. Oh regardez qui vient assister au 1v1. Minou, viens. Vas-y, capturez-le. Enfin pas capturez-le, mais caressez-le plutôt. Il a pas de collier. Il a pas de collier, du coup c'est un chat sauvage. Ah oui, Lee. Il veut jouer au foot. Fais-lui une passe, Myriam, fais-lui une petite passe. Minou, on ne te veut pas de mal. Fais-lui une passe. Et regarde, quand il est blaqué comme ça, je crois qu'il est en position d'attaque. Ah bah... Non, calme-toi. Attendez, je suis... Calme-toi, on va rien te faire. On va poser les trucs lourds. Ah, il a faim le pauvre. Il a faim, mais j'ai. Viens. Vous avez pas des tacos pour lui, des tacos? Elle est partie, ça y est. Ok, let's go, Yacine. Myriam, tu comptes? Ouais, t'inquiète. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 7 jongles. Tête bien carrée. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Juste 8. Ok, 1-0 pour le You. 1-0 pour le You, monsieur l'arbitre. Yacine va pouvoir prendre sa revanche. Il va devoir jongler avec une balle de rugby. 1, 2, 3, 4, 5. Wesh, 6, comment t'as... Wesh. Réaction fausse, on sait qui fait exprès. Les abonnés, vous avez raison, je suis plus fort que lui, regardez ça.
Oh ouais, ça doit être ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Maintenant, il n'y a plus de débat, c'est moi le boss. Qu'est-ce qu'elle nous prépare là-bas alors? Elle est en train de vous faire une dinguerie, vous allez péter un câble. Eh, j'ai pas le droit de toucher, j'ai le droit de toucher à rien, mais juste je vous présente, venez, viens voir, tu vas voir. A votre avis, qu'est-ce qu'elle va vous faire avec tout ça là? Oh, pour tacos. Là, c'est parti, elle va commencer à faire à manger, donc qu'est-ce que tu nous prépares, maman là? On va couper le tacos, comme ça en deux. C'est du fromage mozzarella. Ah ouais? Ouais. En forme d'étoile. C'est une dinguerie. Eh, les repas des mamans, Myriam, on va se régaler. On laisse la suite pour plus tard parce que là, ça va être quoi une dinguerie? Vous allez péter votre crâne. On a trop hâte pour le premier repas du midi, je me demande ça va donner quoi. Oh là 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 là, vous êtes pas prêts, les reilles. Oh, vous êtes pas prêts, les reilles. Ce que maman, elle vous a fait. Oh. Alors, par contre, j'ai une directive de maman. Myriam, vu qu'elle est malade, t'as le droit de prendre que ce burger-là qui est à toi et un tacos, c'est tout. Ça, le reste, c'est à Younes, Younes et maman. Oh là là. Attends, on va présenter. Alors, vous avez des hamburgers avec la viande hachée, tranche de dinde, fromage, salade. Et l'autre, c'est viande hachée, fromage. Viande hachée, fromage. Ok, voilà. Ce qu'on va faire, les reilles, pour le premier repas, alors maman, t'as des abonnés qui t'ont posé des questions pendant qu'on va goûter tes recettes. Nous, on va goûter et on va te poser les questions. Alors, on commence par quoi, hamburger? D'ailleurs, maman, dis ce que tu m'as dit à Myriam. Tu prends un burger où il y a la viande. Vu que t'es malade. Ouais, où il y a le ketchup, ouais. Ok, ben moi c'est celui-là, My Big Burger. Alors voilà. Maman, t'as une question de Sabri qui a dit, comment t'as réagi quand on t'a dit, oh, maman on veut faire des vidéos sur YouTube, t'as réagi comment? Au début, j'étais pas d'accord, parce que j'ai dit qu'est-ce qu'ils vont faire et tout. Et là, comme je sais qu'ils font des choses bien, ben je suis avec eux. Et aussi, je vous dis, on était dans la voiture, j'ai dit, maman, on peut gagner un peu d'argent. Elle m'a dit, ah ouais? Et je dis, quoi, ouais. Du coup, elle nous a payé notre premier matériel, il coûtait 150 euros, c'était un agent média. Comme ça, bon, vas-y. Est-ce que tu te rappelles ce qu'on t'avait dit, maman, ou pas? Younes. Tu te rappelles? Je me rappelle plus. Younes, rappelle-lui à maman ce qu'on lui avait dit dans la voiture pour la dissuader. Oh, la masterclass. C'est même pas le goût d'un coup d'un McDo, c'est vraiment le burger maison. Regardez-moi ça. Maman, je te mets un bon 9,5 sur 10. Hey, Myriam, t'as pris des bras, hein? Tu fais de la muscule. Bon, 9,5, tu sais pourquoi? Mais 9,5, mais 9,5, c'est incroyable, maman. Ah là, par contre, Younes, c'est pas gentil ce que tu dis. Mais non, parce qu'il n'y a que Allah qui est parfait. Il n'y a que Allah qui est parfait, il n'y a que Dieu qui est parfait. Ouais, je sais très bien que Dieu est parfait. Mais... On va attaquer les tacos. Ça, c'est quoi, maman? Tu peux présenter ça? Ça, c'est des tacos. Tacos en mode... Attends. Donne-le à Myriam parce qu'elle est malade. Pourtant, je touche celui-là. Non, mais prends celui-là, Myriam. Parce que tu touches, tu prends, Myriam. Vas-y, prends-le. Prends-le, tu touches pas à autre chose. Ok, on y va, bismillah. Bah, vous goûtez, après vous me dites à ce que vous aimez ou pas. Là, on voit. Attends. C'est vachement bon. Je savais que pendant ce 24 heures, on allait se régaler, mais je suis vraiment surpris. On a la pâte, on a les épices, on a de la bonne viande, du bon fromage. Maman, c'est pareil, c'est du 10 sur 10, c'est incroyable. En plus, ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir manger tacos, hamburger, on va se mettre super. Mais t'en penses quoi, toi? Pas de docteur 10, ce que je t'appelle, c'est une note sur 100. Une note sur 100. 100 sur 100. Merci, ma fille. Je vais faire un tiramisu parce qu'il vous doit des sous. Oh la dinguerie. Voilà. C'est bien généreux, Myriam. My big tiramisu. Oh, mais je crois qu'il y a une manipulation à faire. Laisse-moi la faire. Ça, c'est un de mes desserts préférés, les reilles. Alors, on a juste à enlever comme ça. Non, comme ça. Non, là, tu fermes. Pourquoi t'es né, je me demande. Ah, voilà. Pourquoi t'es né? Oh, le douillon. Oh, le douillon. Pourquoi t'es né? C'est top, pourquoi t'es né? Viens voir mon rey, c'est un gâteau d'anniversaire. Tiens, tiramisu. Surprise pour vous. Oh merci, il est pas trop beau franchement. Attends, je vais faire un petit zoom. Au niveau visuel les reys, c'est pas une dinguerie. Incroyable. Et maman, tu nous assures bien que c'est toi qui as tout fait de A à Z. Non, c'est moi, je vous assure. Tu ne l'as pas acheté à Carrefour. Non. Si vous voulez la recette, mais ça se voit déjà, regardez le plat. C'est vrai, ça se voit. Vas-y, si je te laisse. Si vous voulez la recette, n'hésitez pas. Je te laisse prendre ta part, Myriam. Ok. Fais un truc propre. Ok. Tu prends un petit peu. C'est ça ta part? Mashallah. T'es grosse. Qu'est-ce qu'il fait? Wow. Ah, c'est pas cool. Moi je veux bien, mais s'il n'y aura pas de gaspillage après, je vous promets. Vas-y, tiens, c'est pour toi celle-là. Merci, je préfère, merci. Merci. Alors attendez, tu m'as fait un arc de cercle, ça. Tu sais pas couper les pizzas. Attends, t'auras encore mal au ventre. Je te ramène un truc là, attends, je vais te ramener. En vrai, pourquoi on se casse la tête? Pourquoi on goûterait pas directement dedans? Non, allez. Ok, première part pour Myriam. Peut-être qu'après je vais avoir. Oh là là. Myriam, tu peux goûter. Hé, Myriam, attends pas, Younes, goûte. Moi, je vais pas faire ça. Ça a l'air incroyable. Je vais juste faire ça directement. Vous avez déjà pris? Ouais, ils ont pris. Ah, je vous ai déjà pris ça. Ah, c'est du spéculoos en dessous? Ouais. Alors, c'est comment une note de 1 à 10? C'est excellent. Non, je suis désolé. Je la comprends. Mais tu vas où? T'es elle puni? Elle est punie. Tellement c'est bon, t'es puni. Elle est punie, je la comprends. Elle est punie, les reys. C'est incroyable. À ce point-là. Pour ce premier repas, les reys, je lui mets 10 sur 10 pour le repas du midi. Je suis vraiment impatient de savoir ce que ça va être le goûter.
à ce point-là. Après avoir bien mangé, j'avais une question à poser à Yacine. En islam, on dit le paradis sous les pieds de la mère, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en gros, une des clés pour entrer au paradis, bien de se comporter avec sa mère. C'est très important, la mère en islam, il faut jamais répondre. Même le fait de dire... Vous voyez, par exemple, quand ta mère elle dit Yacine, viens faire la vaisselle, tu es... Oh là là, ça, t'as même pas le droit en islam. Ah ok, faut qu'on essaye de bien se comporter avec nos mamans parce qu'elles font beaucoup d'efforts et toi, elles font beaucoup de choses pour nous et voilà. Oh, c'est le repas du soir et yes, j'ai trop faim. On arrive avec juste l'entrée, donc ça, c'est que l'entrée, ça, c'est pour vous. Tenez. C'est quoi ça? Bon appétit. Oh, c'est mon mariage ou c'est une dinguerie? Regardez-moi ça, il y a plein de légumes, plein de fruits. On va commencer le dîner par ça, ça va être incroyable. Okay. Moi, ce qui me fait plus envie d'écrire, c'est ça, hein, je vous dis la vérité, c'est ça, le céleri là. C'est trop bon. Tu as un peu des drôles, ce que... En vrai, t'as la question pour maman. Ah ouais, question de MMD, c'était est-ce que Younes et Yacine, ils étaient forts à l'école? Est-ce qu'on était forts à l'école? C'est quoi cette question MMD là? Non, ils travaillent super bien, mais c'est dommage. Pourquoi c'est dommage? Parce que vous arrivez jusqu'au bac et vous arrêtez tout. Attends, mais j'ai arrêté au bac, pourquoi? Parce que on habitait à la campagne. Non, c'est pas une raison. Si, il n'y avait pas de bus, il y avait un bus dans la journée. C'est-à-dire si je quittais à 17h, je devais attendre jusqu'à je sais pas quelle heure pour rentrer. Non, ça non, tu peux. Wow, c'est dommage quoi. C'est vrai que c'est dommage. Ouais, vous n'avez pas fait vos études à... Comme Yacine, il est arrivé jusqu'au bac scientifique. Bac scientifique, Yacine, il a fait. Et il a pas... Vous voulez devenir un scientifique? Il pouvait faire médecine ou il pouvait faire beaucoup de choses. En gros, on travaillait bien, mais ma mère, elle regrette un peu qu'on n'a pas fait plus d'études après le bac. Ouais. Mais je vous dis la vérité, moi, j'avais fait une sorte de dépression en terminale parce que j'étais dans un lycée où il y avait des gens bizarres. Et en gros, moi, j'avais grandi au quartier, j'étais à la campagne, j'avais fait une dépression. Dépressionniste. C'est-à-dire que je ne pouvais plus. Mais en tout cas, la salade, maman, c'est une masterclass, elle est trop bonne. Céleri thon. Je me suis trompée. Oh, le combo, mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle mange du citron, frère. C'était que l'entrée, ça? Ah, mais Younes, moi aussi, les... Non, coupe. Pourquoi t'allais dire quoi? Non, rien. Pourquoi je coupe? Tu caches quoi, là? Rien. Tu fais quoi avec ton citron? Enfin, moi, elle a fait ton repas préféré, c'est une dinguerie. Oh non, oh, lasagne là. Moi aussi, c'est mon repas préféré, c'est ce que j'allais dire. Lasagne. Oh, la lasagne. Masterclass. Maman, tu attestes bien que c'est toi qui as fait ça de A à Z. Bah oui. Oh la dinguerie, laisse-moi l'odeur. J'étais là. Ok, je vais couper ça bien les gars. Une lasagne, ça se respecte. Et pour l'instant, je pose la dernière question de la vidéo à ma mère. Est-ce qu'un jour, les abonnés demandent, est-ce qu'un jour tu pourras te montrer en vidéo en mode, est-ce qu'un jour tu pourras faire une vidéo avec nous? S'il y a plus d'abonnés et s'il y a plus de likes. Ouais. Vous avez vu comment elle est entraînée? Elle est grave forte. À combien de likes tu peux montrer ta tête? Et je te dis environ, enfin à peu près 3 à 4 000 likes par vidéo. Moi, je sais pas. 10 000? Ouais, 10 000. Ah, mais par contre, si tu dis 10 000, faut vraiment le faire. Mais après, elle peut le faire quand elle veut. Ça peut être en vacances, en juin, ou tu vois. Y a pas de. À 10 000 likes. Ah, mais okay. Faut pas mentir, faut vraiment le faire. À 10 000 likes, les gars, on fait une vidéo avec notre maman. Ça va être une masterclass. Pour l'instant, je coupe les parts. Vous allez voir sa tête. Là, je fais ça bien avec le gruyère qui dégouline. Est-ce qu'ils veulent voir ma tête déjà? Bah oui, ils ont demandé, frère. Ils ont demandé. S'ils veulent voir ma tête, oui. Ils veulent voir c'est qui maman familia. Ils ont dit, on veut faire une vidéo et tout. Vas-y, à l'attaque. Hein. Et pourquoi toi, tu passes pas dans le TikTok? Parce que moi, je cherche juste à goûter, en fait. Ok, je commence. On prend de la viande, des pâtes, du fromage. Avec de la bonne fumée. Sans fumée. Oh, c'est pas pour faire le mec. C'est chaud. Hein. Je vous promets, c'est ultra bon. Surtout quand ça sort du four, c'est vraiment, vraiment délicieux. Ouais, quand ça sort du four, c'est chaud. Je suis Batman. Comment ça, t'es Batman? C'est incroyablement incroyable. C'est incroyablement incroyable. Bon, en tout cas, la famille, moi, je vais vous laisser là. C'était une super journée. Si vous voulez que ma mère, comme vous a dit, elle se montre 10 000 likes, on fera une vidéo avec elle. Et en tout cas, merci maman pour la journée. Qu'Allah te préserve et t'accorde le paradis, ainsi qu'à toutes les mamans du monde. Allez, ciao.